Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce tutoriel vidéo sur la langue française, je vais vous montrer comment trouver un conjugueur, c'est-à-dire un site où vous allez avoir la conjugaison d'un verbe. Nous allons donc nous rendre sur notre navigateur et je vous mettrai le lien dans la vidéo. Vous avez ici ce site où vous pouvez indiquer le verbe à conjuguer. Par exemple, le verbe devenir. On a tapé devenir, on appuie sur conjuguer qui se figure immédiatement à droite avec le clic gauche de la souris. Et on va patienter et on a la conjugaison du verbe devenir. On a l'indication de son groupe, c'est un verbe du troisième groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Vous avez même une traduction en anglaise, en langue anglaise, et vous avez ici les temps de l'indicatif avec le présent, le passé simple, le passé composé, le passé antérieur, l'imparfait, le futur simple, le plus que parfait, le futur antérieur. Vous avez les temps pour le subjonctif, présent, passé, imparfait, plus que parfait, pour le conditionnel présent, passé première forme, passé deuxième forme, et lorsque vous déroulez l'ascenseur, vous avez également l'impératif présent, l'impératif passé, le participe présent et les participes passés. Vous avez un rappel de l'infinitif présent. Ici, vous avez l'infinitif passé. Vous avez le gérondif présent, le gérondif passé. Et vous avez la règle du verbe devenir. On va attendre que le curseur redevienne actif, car vous voyez ici qu'il tourne. Vous avez les synonymes du verbe devenir. Vous avez une définition du verbe devenir. Vous avez l'emploi du verbe devenir. Et vous avez une tournure de phrase avec le verbe devenir au futur proche, au passé récent. Et vous avez d'autres liens avec des verbes à conjugaison similaire. Il ne vous reste plus qu'à indiquer dans la zone de verbes à conjuguer le verbe dont vous voulez connaître la conjugaison complète. Cette formation sur la langue française est maintenant terminée.